Ciao les petits loups, on est parti pour un test aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien avec le Xiaomi Mi Drone. Alors moi je me sens pas super bien, j'ai failli pas sortir, un peu pas bien dans le ventre et tout ça. Mais bon, ça vous regarde pas à la limite et tant pis, j'assume. Bref, j'espère que ça va bien se passer quand même. Donc on est connecté. Bien sûr, je vous ai expliqué qu'il faut pairer la télécommande et le téléphone en partage de connexion. Là, j'ai mis en filaire, c'est beaucoup plus facile. Tac, il check la connexion. Le drone est en route. C'est parti. J'ai donc la carte. Tout va bien, apparemment. Hop, si je me déplace, on voit la flèche qui tourne, comme ça. Tac, on est plutôt pas mal. Alors, on va aller tout de suite dans les paramètres de la vidéo. Tac tac tac. Alors caméra setting, voilà, PAL NTSC, on est bien. Et là je vais mettre en 1920 par 1080 60 fps. Voilà la base. Ce que je trouve moi le plus propre personnellement. De toute façon, je peux pas vous mettre du 4K sur YouTube. Voilà, et on va se faire quand même un petit calibrage. Alors, beginner mode, il est désactivé, bien sûr. Tout ça, c'est bon. Alors, un petit calibrage du compas. Please click start for calibration. Start. First step, c'est parti. Horizontal calibration. Alors, on va tourner dans ce sens-là. Voilà, et normalement, on a une petite lumière verte qui clignote. Bien sûr, il faut être dans une zone où vous avez le droit de voler. Bien évidemment, si vous voulez que ça se passe bien. Et pour pas avoir d'embêtement. Tac, donc je vais le soulever un petit peu. Second step. Vertical calibration. Voilà, la lumière est rouge, donc je l'oriente la batterie vers le bas et maintenant je continue de le tourner. Calibration success. Tac, et maintenant on a du rouge et vert. Hop là, et la calibration est bonne. Voilà, donc ça se passe plutôt bien le calibrage. Moi perso, j'ai jamais été embêté, j'ai vu que certains oui. Alors après, c'est peut-être qu'ils font ça dans une zone où, où c'est pas autorisé. Oui, il y a des limites de vol. Donc là, on est pas mal. Drone and GPS on va pouvoir mode. Ressortir. Alors, moi, il faudrait peut-être que je me trouve un petit coin d'ombre là, parce que c'est pas terrible au niveau de la vision. Je vais me décaler un petit peu. Et là, je vais être un petit peu à l'ombre. Alors, j'oriente mes pads vers l'appareil, bien sûr. Et on va éviter de mettre, on va voler dans ce coin-là. On va éviter de mettre des obstacles entre nous et le drone. C'est le principal. Alors c'est parti pour un petit décollage. Mise en route et on lève tout doucement. Set home point successfully. C'est parti mon kiki. Le voilà. Tech. Alors on a une petite brise aujourd'hui, hein. On a du 15 km/h, des petites rafales à 20-25, mais pas forcément trop violent. Alors on va se tourner vers nous. Niveau batterie, je suis pas à fond, hein. J'avais pas pensé à la charger avant de partir, je pensais être bon, mais je n'y étais pas. Donc on va faire en fonction de ce qu'on a. Tac, une orientation vers moi. Ciao ciao les amis. Allez, c'est parti. Pour plus de sécurité, je vais arrêter l'enregistrement. Tac, avec le bouton arrière gauche bien sûr, et je vais le relancer. Voilà, je vais passer sur le mode photo. Ici, tac. Okidoki, là. Alors on va passer en mode option de vol ici et on va se faire un petit droni. Tac. Donc la caméra est bien vers moi. Je vais me cadrer correctement. J'ai juste à décaler un tout petit peu. C'est plutôt pas mal. Non, de l'autre côté, monsieur. Voilà. Je vais descendre un peu la cam ici. Tac.
Alors next, on a placé. Alors drone time, on va mettre 10 secondes, c'est plutôt pas mal. 3 mètres secondes, on va faire plus rapide que ça. On va faire du 5 mètres secondes. Ça va faire à peu près 50 mètres. Allez, on va mettre un peu plus. On va mettre 20 secondes. 20 secondes, ce qui fait à peu près 100 mètres. Direction de tail, 2 degrés. Alors là, j'aurai que 2 degrés d'angle. Donc je vais le monter un petit peu. Ici, donc j'ai les degrés qui vont augmenter, bien sûr. Tac. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire start. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, à plus dans le bus. Vous voyez, j'ai mis très peu d'angle. Donc le drone se fait pratiquement à plat. Impeccable. Donc là, on est à 70 mètres, 75 mètres, 92. Ça devrait s'arrêter dans pas longtemps. 100 mètres, 102 mètres. Drone mission complete. Là, je le vois, ça y est, il s'est stabilisé. C'est parti. Donc voilà pour le petit drone. Allez, on va monter un petit peu en altitude. C'est parti. Ah, je le vois sur le fond bleu là-haut. Alors, pour l'instant, on n'est qu'à 25 mètres d'altitude. On va monter. Là, je suis à fond en montée. On est à 4 mètres secondes de vélocité. 52 mètres. J'espère un petit panorama. Alors, j'ai perdu de vue, mais je l'entends encore. Il doit être sur les nuages. Ah bah oui, il est là. Tout va bien. Il est plus haut que je pensais. Alors, on est à 90 mètres de hauteur. On va se faire un petit panoramique avec une rotation. Important pour voir la fluidité des images. Alors, bien sûr, vous réglez la vitesse que vous voulez, hein, par rapport au stick. Alors, on a des petites saccades sur le retour d'écran, mais c'est plutôt correct. Alors, on va pouvoir baisser un petit peu la caméra. Voilà. Ah, plutôt sympa. C'est assez propre, le marais. Hop, et là, on a Salerten. Par là. Tac. Allez, on va aller s'approcher un petit peu. Je pars en avant. ...156 mètres de distance. Alors je vais rester dans les clous, bien sûr. Hein. Vous savez que c'est 200 mètres maximum pour la distance et 150 mètres de haut. Donc là, on est à 190 mètres de distance. D'accord, si vous êtes perdu, hop, vous revenez au mode carte. Voilà, et vous savez exactement comment vous êtes placé. Vous avez votre petit rond bleu et l'orientation du drone. Donc là, si je veux le faire revenir, j'ai simplement à faire une rotation ici pour tourner la flèche jusqu'à ce qu'elle me regarde. Ou alors vous faites un retour to home, tout simplement, tout bêtement. Alors, dans les options de vol, on va voir ce qu'on a ici. Tac, à la vidéo. Là, donc là, je sais que je me fais face. Oui, je me vois dans le V du terrain. Donc, je vais partir en avant. À fond en avant. Il n'y a pas énormément de délai. Et là, le voilà. Waouh, bonne vitesse quand même. Hein. Allez, on ralentit. Tac. On va pouvoir descendre un peu. On va se faire un petit circle. Alors, je vais placer la caméra vers le bas. Tac. Je vais la remonter un peu pour me voir. Je dois être dans la pointe du V. Il y a toujours un petit délai, hein, bien sûr. Ah, je vois ma petite caisse blanche au sol. Et la voiture. Donc là, je suis à 53 mètres d'altitude. Là. On va se faire un petit point of interest. Donc pour ça, je vais mettre la caméra à fond vers le bas.
ici. Voilà. Et je vais me décaler pour être au-dessus de l'arbre. Ah là, on est pas mal là. Un petit peu trop. Voilà. Là, on est bien. Je vais avancer un peu. Voilà, on a ce petit arbre là. Tac. On va dans les modes de vol. Ah, batterie faible du téléphone, il va m'enquiquiner. Tac. Un petit mode orbite. Voilà. Le point d'intérêt, il est là. Tac. Altitude 29 mètres, 3 mètres secondes en vélocité, radius de 10 mètres. Pourquoi pas? C'est parti. Tac. Voilà, et là je peux repasser en mode vidéo pour pouvoir orienter ma caméra. Donc là il a pris son radius complètement et il fait son petit drone à 3 mètres secondes, son petit point of interest, pardon. Et moi pendant ce temps là je peux gérer la caméra. Je crois que j'ai mon téléphone qui va me laisser tomber les amis. Et on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Superbe. Allez, je vais remonter la vidéo. On va arrêter le drone, le point of interest. Oh, il n'y a que les waypoints qui ne m'intéressent pas spécialement. Ici, tap and fly. Alors, tap and fly, si je tape ici, par exemple, tac. Altitude, je vais la régler à 18 mètres, vélocité 4 mètres secondes, il devrait arriver pas loin de devant moi, à 16 mètres d'altitude. Donc là, j'ai simplement pointé un endroit sur la carte pour lui demander d'y aller. Donc il va descendre à 16 mètres d'altitude, logiquement. Là, il est à 28 mètres, 27. Là, il est en face. Voilà, il est presque arrivé. Et il se stabilise. C'est perfect. Alors, maintenant, je vais mettre un autre point of interest. Stop. Là. Tap and fly. Je vais mettre au-dessus de moi. Voilà. C'est parti. Donc là, je l'ai mis à 16 mètres à peu près au-dessus de moi. Il va falloir que j'arrête parce que mon téléphone va me lâcher à tous les coups. C'est bête ça, que ça ne recharge pas la batterie du téléphone en même temps. Alors le voilà qui arrive. J'aurais pu mettre un peu plus de vélocité. Pendant ce temps-là, je peux regarder la vidéo, bien sûr. Et je peux orienter mon drone, évidemment. Tap fly mission complete. Petite prise de vue en marche arrière. Hop, je vais l'arrêter ici. Tac, voilà, il est reviendu. Quelle stabilité, c'est impressionnant. J'espère que les images seront jolies. Low battery. Alors, please land to avoid battery damage. On va se faire un petit rassol. Je descends à fond. Et mon téléphone bip. Là. Donc on est en rassol, il me reste 30 mètres. Il me reste 30% de batterie. On va simplement aller faire un petit tour par là. Au ras du sol. Hop, pour voir la qualité des images. C'est parti, marche avant. Donc je suis au maximum. Ça, on verra la fluidité des images. Et je vais pouvoir me faire un petit RTH. Je suis à 27%. Tac. Donc je vais l'arrêter, je vais l'orienter vers moi. Allez, on va se faire un RTH. C'est parti.
Donc il devrait monter à 30 mètres. Et on va voir sa précision. Ah, j'hésite quand même à me poser sur la caisse. Je voudrais pas qu'il se pose de travers et qu'il se croûte. Donc on récupérera peut-être le... Non, ce que je vais faire... Décidément, j'ai plus de batterie non plus dans la caméra. Il va falloir faire fi ça, les enfants. Ça va couper. Ça a coupé une fois déjà. Allez, je retire la caisse pendant le RTH. C'est pas mal. Hop, donc elle était 2 mètres devant là-bas. Et on est parti pour se poser. Je vais juste l'orienter. Alors même en RTH, on peut le faire des rotations, bien sûr. Et dès qu'on touche au stick, ça le ralentit, mais il reprend son RTH dès qu'on le lâche. Donc là, c'est pas mal. Bah écoutez, je vais vous dire au revoir tout de suite parce que je suis pas sûr que ma caméra tienne le coup. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était du vite fait pour avoir quelques petites images avec ce fameux Xiaomi Mi Drone. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests, bien sûr, d'autres images un petit peu plus loin, un petit peu plus poussées. Et en attendant, eh ben on est pratiquement à l'endroit où était la caisse. C'est parfait. Bien ce petit loulou quand même. Bien, bien, bien. Bon bah les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça sympa. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt sur un autre site pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et puis pour tester bien sûr quelques petites fonctions supplémentaires. Allez, là-dessus il me reste plus qu'à vous dire moi, portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ah, je vous ai pas dit, j'ai commandé la protection de la caméra. Ça se clipse simplement sur la cam, ici, et flac. Et voilà, comme ça, c'est protégé, c'est en place.